Hey, que mes petits culs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me prêter à de la rénovation, mais pas que. On va rénover sans rien dépenser, c'est-à-dire que là, je vais partir avec le budget de base de ce qu'aura l'appartement. Je casse tout, je vends tout et je vois ce que j'ai comme budget et j'essaye de rénover. Ouais, je pense que je vais galérer, mais je sais que vous aimez ça quand je galère, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, on se met en jeu. C'est parti donc, on est dans l'appartement de cette charmante dame, Kira Banerjee, pourquoi pas, aux 17 maisons du piment. C'est cet appartement-là qui est tout simplement affreux, fade, qui aurait besoin d'un bon coup de pump-up. Comme vous voyez, elle a déjà 20 000 simflouz dans son portefeuille, donc on va les enlever. Donc, on va les mettre 0 simflouz. Je vais me mettre maintenant en construction, et c'est là que ça va commencer, hein. Je vais commencer déjà par tout virer, tout virer. Bon là, vous voyez, on est déjà à 4700. Je vais donc casser également les murs, parce que les murs valent de l'argent. On va casser également le PQ, parce que qui a besoin de PQ au final? On est à 7488 de budget pour cet appartement. Il y a moyen en fait de faire quelque chose de sympa. Le problème c'est que moi je vais y arriver, je ne sais pas. Je vais prendre mon outil mur et je vais déjà diviser l'appartement. Effectivement, le mieux c'est de mettre la chambre ici, d'avoir le séjour là. Et donc ça veut dire aussi qu'on aurait la cuisine ici. La cuisine comme ça. La salle d'eau. Ouais, la salle d'eau elle serait pas mal ici. Aïe, le budget. La chambre ici. Donc là, vous allez dire, on est déjà pas très loin de ce qu'on avait déjà, certes. Vous avez raison. Voilà, avec des lumières, c'est déjà un peu moins galère. Et en plus, ça rime, c'est merveilleux. Éléments de cuisine, on va essayer de taper dans le moyen de gamme, pas trop haut de gamme. Allez, blanc et beige. Ou entre les deux, il y aura le frigo et la gazinière. Ça fait un petit... Ouais, parce que lui, il est contre le mur et pas celui-là. Il faudrait que j'ajoute un demi-mur. Mais les demi-murs, ça coûte de l'argent, Jean-Claude. Oh, bah le petit frigo, c'est pas mal. C'est mignon pour une seule personne. La petite gazinière. Ah oui, ça a encastré. Oh, bah, on va partir sur la gazinière. Classico-classique. Oh là là, ça me fait déjà mal au cœur. Je me dis que je vais vraiment pas y arriver et que j'ai fait que la cuisine. Bon, c'est ce qu'on dit dans la vraie vie, c'est que le poste cuisine, c'est ce qui coûte le plus cher dans l'aménagement d'un appartement ou d'une maison. Avant que j'oublie la petite poubelle, on va déjà faire le lit. Un bon petit lit pour se reposer. Qu'est-ce que j'ai de moins cher? En lit de place moins cher, j'ai le futon double d'occasion. Ah, c'est vraiment pas terrible, hein, mais il est pas cher. Hein. Allez, en jaune et vert, pourquoi pas. Commandons un petit canapé également. Les canapés comme ça sont vraiment pas mal. Voilà, ça c'est très bien. Pas plus. Je pense que c'est quand même pas mal, c'est mignon. Il y a juste la place ici pour la porte. D'ailleurs, il faudra que je les mette avant de plus avoir le budget. Il me reste 3000. Ah bah dis donc, on va aller faire la salle de bain. La douche comme ça, c'est pas mal. Hein. C'est pas la plus belle, mais on va faire une grande douche, tiens. Il faudra aussi un toilette pour ce Sims. On va choisir vraiment les toilettes qui ne vaut pas trop cher. C'est un peu au rabais, quoi, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme je dis toujours. Le petit lavabo. Oh, on prend celui de mini-maison. Pour le sol, je verrais bien un petit sol noir, vu que j'ai choisi que des éléments blancs. Pour le carrelage mural, pas mal ça. Pour le miroir, on va pas chercher, hein. On va le prendre simple. La salle d'eau est faite. Pour moi, c'est un peu bizarre d'avoir la douche comme ça, sans rideau, sans rien. Je vais voir pour rajouter un truc. Regardez-moi ça. Je viens de poser le rideau de haut restaurant. Ça fait comme un rideau de douche. On va s'occuper un peu de la chambre, mettre un peu de peps et de couleur dans cette chambre. Ouais, ça c'est pas mal, ça ravive un peu. Peut-être en vert clair comme ça. Ça c'est un vrai problème, j'arrive pas à trouver vraiment un tapis sympa. Est-ce que je pourrais tabler dans un faux tapis, c'est-à-dire faire avec de la moquette? Comme ça par exemple. C'est pas mal. En vrai c'est pas mal, hein. Allez, on va garder, ça m'a en plus rien coûté. Des petits rideaux verts un peu plus foncés, est-ce que ça passe? Oh, ça passe en jaune aussi. Je sais pas si j'aurai le budget pour mettre une vraie décoration au-dessus du lit. Je me suis dit que ça, c'était pas mal. Ça coûte 25 simflouz, c'est une petite décoration de saison. Cette commode-là de décoration d'intérieur, je la trouve sympa. Ça passe. Bon, il me reste 1800, hein. C'est pas énorme. Bah, je pense que pour une chambre dans laquelle on emménage et qu'on veut rien spécialement en faire comme travaux, c'est pas mal, hein. Bon, et ça fait vide un peu, mais regardez, le séjour, il y a encore moins de choses. Alors, il paraît que dans un appartement, dans une maison, on doit manger. Et manger veut dire aussi table, avec des chaises. Le truc, c'est qu'il faut pas que ce soit trop petit non plus pour occuper l'espace, parce que j'ai beaucoup d'espace. Celle-ci, elle est à 210, elle est énorme. Je vais mettre cette grande table-là, elle est vraiment énorme. On va y mettre forcément quelques petites chaises. Oh, pas trop en mettre, on va en mettre que 4. Si je réveillais en mettant un peu de peps de couleur, là...
Ouais, c'est pas mal. Mais ça fait trop sans couleur au final. Bof. Bon, finalement, je trouve ça plus chaleureux cette couleur-là dans la cuisine. Pourquoi pas ce carrelage comme ça, du marbre poli. Il me reste 1436 simflouzes. Je pense qu'une petite table de salon sera la bienvenue. Mais je peux mettre celle d'écologie. Elle est pas chère et elle prend de la place. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien cette teinte-là. Ça fait un petit peu récup. Je trouve que c'est trop dépareillé dans le séjour. Il n'y a rien qui va ensemble, en fait. Et ça, ça fait trop propre. Mon canapé chouchou vaut quand même bagatelle de 655. Les trois trucs détachés que j'avais tout à l'heure, ça faisait 475 en tout. Ah, c'est pas mal, ça. On a toujours des couleurs, je trouve que ça s'accorde bien avec la table. Bon, l'heure est grave, je dois quand même faire des concessions sur certaines choses, là. Il me reste 1200. Quand je vois qu'il n'y a aucune télé qui est dispo, sauf les vraiment les plus petites, et j'en ai une qui vaut déjà 1000 simflouzes. Ça me fait mal un petit peu, je vous le dis. Je vous le confesse, ça me fait mal. Ah, je vais faire mon petite astuce du niveau du sol, parce que je me dis que le sol linéaire comme ça, c'est pas non plus l'idéal. Je vais donc faire mon sol à chevron avec celui de vampire. Et ça donne une illusion de, voilà, de remplissage déjà, alors que vous n'avez pas fait grand chose. Et en plus, ça m'a coûté aucun simflouze de faire ça. Peut-être que je vais faire la concession sur le demi-mur, ça me fait récupérer un peu d'argent, vraiment pas grand chose. Pour les murs, il faudrait que je rénove à hauteur de 2 simflouzes par mur. Aïe, 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 ça va être compliqué. Parce que pour avoir une espèce de texture, là j'arrive à 2, 2, 2. Ça c'est pas plus cher. Ah si, j'ai moins 16 à cause d'ici. Pas mal. Ça réchauffe, c'est plus chaleureux. Pour moi, oui, l'appartement est très vide. Je pense que je vais décaler le canapé. J'ai pas beaucoup dépensé non plus. Est-ce que c'est ça? Ouais. Ouais, je pense que je vais changer les meubles de cuisine parce qu'ils sont peut-être un peu chers. Je pense qu'effectivement, paf, 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 on va utiliser les plans de travail qui sont tout simples. Et la gazinière... Ah oui. Ah oui. Ah bah oui, je vais mettre la cuisinière Mia, mais tant pis, hein. Oh là là, elle est tellement belle. Mais regardez, je suis remontée à 2000 au niveau du budget, juste en changeant les meubles de cuisine. C'est déjà mieux, je vois un peu plus l'avenir. Il est pas très radieux, mais il est là. Au niveau du carrelage de la cuisine, c'est vrai que j'aime beaucoup ceux-là en général. Il faut juste trouver un truc sympa. Pourquoi pas celui-là, parce qu'on est tombé sur du neutre, et puis ça correspondrait à la couleur des chaises ici. Ça peut le faire. Je pense que je vais pas résister à mettre quelques plantes. C'est pas mal, ça, c'est pas hyper cher en plus. Je pourrais le mettre là, dans le salon. Allez, 30 simflouzes. Prendre un petit set de... Voilà, pour le mettre ici. Ça habille. En vrai, je trouve que c'est vachement mieux déjà. Là, il y a pas grand-chose d'ajouter, mais c'est pas mal. Bon, par contre, je me dis qu'il y aura pas de télé. Les Sims qui vont habiter là vont s'ennuyer ferme, je vous le dis. Ça va, 10 simflouzes là... Combien juge-t-on la culture à 10 simflouzes seulement? C'est pas cher payé, hein. Sur la table de salon, c'est mignon avec les petits lapins et compagnie. Voilà, ça c'est l'occupation. J'ai pas pensé aux lampes, mais les lampes à pied, c'est vraiment quelque chose de cool parce que ça prend de la place. Bon, moi j'en ai une qui est chouchoute, hein, c'est celle de mini-maison. Sauf que je ne sais plus quel prix elle a et il faut que ça rentre dans le budget. Ouais, elle a 200 simflouzes. Faut vraiment qu'elle ait... soit mise en valeur, quoi. Ah, voilà ce que je cherchais, hein, le porte-manteau. Ça, c'est pas mal. Pour combler ce coin-là, c'est assez cool. C'est pas trop cher, 120 simflouzes. Et je verrais bien à côté un miroir. Ce miroir-là, écologie, est plutôt pas mal. Parce qu'il est dans les tons que je veux donner. Vous voyez, ça habille, hein. Est-ce que je mettrais pas la plante là, au final? Ouais! J'ai 1565 encore de budget. Je peux essayer de mettre un petit pouf là. Ça peut être super cute. Je pense sur une mini maison en vrai parce qu'ils ont plein de couleurs sympas. Éclair comme ça. Voilà. Ah, l'entrée elle est toute mignonne. Il n'y a pas grand chose mais j'aime bien. Et il me reste 1415 simflouzes. Ce qui est en soi presque énorme, hein. Regardez, ça se remplit. Il n'y a pas grand chose mais petit à petit ça se remplit. Bon bah ça se remplit petit à petit. Je fais vraiment attention à mon budget. 1270, j'ai l'impression d'être Crésus encore. C'est vrai que les étagères, ça comble l'espace, je trouve que c'est très vide ici. Oubliez qu'il y en avait des très belles, hein. Ah ouais, si je la réduis, je pourrais la caser ici. Ça habille, donc ça marche. Bon, dans la cuisine, on va prendre les meubles de décoration d'intérieur, ils sont à 50 simflouzes, les trucs comme ça. Ça coûte moins cher. Vous savez ce que j'ai oublié de mettre? C'est un évier dans la cuisine. J'en mets jamais dans mes parties. Ah, vas-y, je vais mettre un des moins chers. Allez, merc, 130 simflouzes de perdu.
Bon, l'heure est grave, il me reste moins de 800 simflouz, un petit buffet, un petit dessert, un truc pour habiller ici, ce serait pas de refus. Et si celle-ci d'écologie passait bien, ouais, c'est pas mal. Bon, il manque un tapis. Ça coûte cher les tapis. Un petit bol de fruits, ça occupe bien l'espace. Ah oui, 250 le truc de fruits. Ouais, bah t'en as un moins cher ici, hein, Jean-Claude, alors tu vas me le prendre celui-là. Voilà, puis les fruits sont beaucoup plus jolis et mieux définis déjà. Oh, je vais mettre un petit pothos divinité verte. Bah, celle de base, comme ça, elle est plutôt pas mal. Et il me reste 570, je vais les dépenser, vous inquiétez pas. Une plante dans la chambre. J'ai une table avec décoration d'intérieur. Ouais, peut-être celle-là. Elle est un peu bizarre quand même, cette table de nuit. Je vais la mettre plutôt là. Là, carrément même. Ah, je sais, je vais la mettre un peu légèrement de biais, légèrement de guingois. Comme si c'était bon dans le coin, mais on ne savait pas trop pourquoi. Mais elle était un peu éloignée, un peu... voilà. Je vais mettre aussi peut-être du foutoir. Je sais pas, je vois des bouquins là par terre. Mais ça, c'est très bien, ça. Pour meubler un petit peu. Des chaussures, en veux-tu, en voilà. On va les mettre là. Ou alors, ouais, non, au-dessus. C'est vrai, au-dessus, ça peut le faire aussi. La pile de bouquins qui vaut quand même 120 simflouz. Ça fait déjà un peu plus vivant une plante, 2-3 trucs par terre et ça va quoi. Il me reste 235 simflouz. Bon, pas du tout de quoi acheter une télé, hein, ça j'ai fait une croix dessus. En vrai, il y a encore pas mal de tapis dispo. Hein. Ouais, peut-être. Bah écoutez, ce tapis, il est pas mal en vrai. C'est pas le meilleur des tapis, hein. Il a pas gagné haut la main l'élection des meilleurs tapis pour cet appartement, mais ça va. Ça passe. On rénove, il nous reste 35 simflouz. 35 simflouz, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah écoutez, avec 35 simflouz, je peux même pas combler. Ah si, je peux avoir la boîte à fleurs pratique esthétique. C'est le seul truc qui coûte 35. Sinon, on a l'air de la pampa, mais je l'ai déjà. Ça, je l'ai déjà également, donc... Ah bah attendez, ça, dans le coin de la douche. Ça fait un peu spa. Il me reste 10 simflouz. Bah voilà, 10 simflouz et j'ai rénové l'appartement sans dépenser trop. Et même, j'ai économisé 10 simflouz. C'est pas merveilleux, ça? On va visiter in-game cet appartement rénové sans frais. Alors, on entre. La petite entrée ici. Voilà, vous déposez vos affaires. Vous pouvez vous poser, vous regarder dans la glace. C'est sympa. C'est bon, c'est un petit peu vide, hein, mais ça passe en vrai. La cuisine ici, qui est certes pas forcément là, mieux meublée également, mais qui a des petites choses quand même. Il y a de la vie, on peut y faire des choses. La salle à manger. Un petit peu pauvre. Comment vous trouvez votre appart, madame? Elle a l'air ravie. Le coin salon, qui pour moi est quand même assez mignon et chaleureux. La salle d'eau qui est minimaliste, mais je trouve que l'ambiance est pas mal. Toilette, le lavabo, et ici derrière le rideau, vous avez la douche pour plus d'intimité. Je trouve ça sympa. Et ici, vous avez la chambre, hein, qui est un peu plus peps au niveau des couleurs. Bon, si vous dormez pas trop bien, ce sera peut-être à cause de ça d'ailleurs. Le reste, bon, bah, il n'y a pas trop de déco. Mais je trouve que ça va, je m'en suis plutôt bien sortie pour ce petit challenge de dépenser sans frais, rénover sans dépenser. Écoutez, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, un petit like, un com. Hein, on partage également sur les réseaux sociaux et compagnie. Ça me ferait super plaisir que vous me fassiez connaître à d'autres personnes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!